commerçante au marché fort. Je vends les tenues pour dames, pour jeunes filles. Voilà, des robes, des jupes, des pantalons, un peu de tout. C'est depuis 2017 que j'ai commencé l'activité. Je suis étudiante d'abord. Avant ça, je faisais les cours à l'université normale. J'ai bouclé avec le master. En plus de l'activité, puisque je suis allée à l'école pour ça, c'est dans le but de travailler un jour. En plus du commerce, je compte quand même postuler pour des concours. Avant que j'aie quelque chose relatif au diplôme que j'ai eu, vraiment cette activité commerciale me permet vraiment de tenir, d'assurer mes dépenses et tout ça. En fait, je m'organise, moi je m'en sors, j'ai une soeur avec qui je travaille. En 2018, je crois bien, j'ai eu l'assistant de l'agence emploi jeune dans le cadre du projet Agir pour les jeunes. Voilà. L'agence emploi jeune m'a aidé à augmenter mon fonds de commerce, à organiser mon activité, à agrandir mon commerce. C'est l'endurance, hein, la persévérance et puis ne pas se décourager surtout. Souvent tu viens au marché, il y a presque personne qui vous demande comment coûte cet article ou tout, mais quand même ça ne doit pas vous empêcher de revenir le lendemain. C'est-à-dire qu'il faut être courageux, persévérant et un jour vous allez voir les résultats. Le marché d'abord, à un certain moment était fermé et à un certain moment le marché est fermé à 14h. Bon, imaginez, tu viens matin, le temps d'ouvrir tout ça, il est à 14h. On ne vendait presque rien. Il n'y avait personne. Les gens avaient peur de sortir à cause de la maladie. Et vraiment, le marché était désert. Ce n'était pas facile. On venait, on ouvrait et on repartait comme ça, les bras ballants à la maison. Vraiment, ça n'a pas été facile. Ça a été une perte. Bon, la reprise, elle se fait tout doucement. Ce n'est pas facile, elle se fait tout doucement.